Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Nous voici réunis pour une conférence de conjoncture organisée par la Chambre de commerce sur un format un peu différent de celui que nous organisions voici quelques années, puisque nous organisions un format trimestriel avec la participation d'acteurs économiques. Pour des raisons techniques, nous avons cherché à innover cette année et nous avons fait appel à un intervenant extérieur, mais auquel nous sommes accoutumés, Olivier Sudry, qui a déjà fait un certain nombre de travaux avec nous, et en particulier un travail récent sur la conjoncture comparée Martinique et Guadeloupe, pour lui demander de balayer devant nous l'examen de la conjoncture actuelle de la Martinique sur la séquence temporelle 2014-2015, et également de porter un coup de projecteur sur une thématique particulière. Alors, cette séquence en deux volets, vous la retrouverez désormais tous les semestres, puisque nous allons maintenant prendre rendez-vous, sachant que la deuxième thématique sera évidemment évolutive dans le temps. Pour cette première édition, une fois que nous aurons travaillé sur la conjoncture elle-même, nous verrons quel peut être l'impact de la relance par l'investissement public, par la dépense publique. D'abord, où en est la relance par l'investissement public et la dépense publique et qu'est-ce qu'elle pourrait être? Voici donc le programme que nous vous proposons aujourd'hui. Donc il y aura deux volets. Premier volet, la conjoncture pure, quelques questions-réponses dans l'assistance et deuxième volet, l'examen de ce qu'est la dépense publique dans ses facultés de relance et ce qu'elle pourrait être. Je vous remercie, je passe la parole à Olivier Sudry. Merci. Bonjour à tous et merci d'avoir pris sur vos agendas, que j'imagine très chargés en ce moment, le temps de venir débattre ce matin sur donc la conjoncture, sur l'état de santé un petit peu de l'économie martiniquaise. L'objectif, c'est pas de vous abreuver de chiffres, hein, vous vous en doutez bien, surtout que pas mal d'entre eux sont repris dans les supports. L'objectif, c'est plutôt de faire parler ces chiffres, d'essayer de raconter un peu l'histoire économique récente de notre économie, et puis de prendre le risque, je l'assume, de se projeter, alors pas à des horizons très lointains, hein, mais de se projeter jusqu'à la fin de l'année. C'est un risque, le risque de se tromper, mais je compte sur vous d'ailleurs pour réduire l'erreur. Le président Baudouin vient de le rappeler, hein, nous réaliserons l'exercice deux fois par an, et la prochaine fois, on sera quasiment à la fin de l'année, on aura un peu plus d'informations sur 2015, et bien on verra si les projections que nous avons réalisées là en tout début d'année se révèlent justes, ou au contraire, dans quelle mesure il faut les corriger. Premier constat, et c'est un constat qui est quand même très favorable, la croissance est là. Elle est là, on est loin derrière peut-être les grands chocs négatifs qu'on a pu connaître en 2009 bien sûr, mais aussi après le contre-choc de 2011. La croissance est revenue, ça c'est le côté du verre à moitié plein, le côté verre à moitié vide, c'est qu'elle n'est pas formidable hein, cette croissance. On estime, c'est une estimation, aux alentours des 1%. Là, si on veut être un tout petit peu plus précis, commencer à regarder derrière la virgule, 1,3% cette année. Petit modèle que nous avons construit à l'occasion de cette étude montre que 2014, c'était 1,2. Vous voyez, bon, on reste dans la zone des 1%. Peut-être une discussion avec mon collègue de l'INSEE montrerait que ben, on aimerait bien les avoir. Hein, mais bon, la croissance est là. Elle est encore très timide. Et cette croissance, c'est le deuxième point de synthèse, elle est tirée presque exclusivement par la consommation des ménages. On reviendra bien sûr, ça va être un des thèmes importants de ce matin. En revanche, cette croissance, 1,3, ce n'est pas suffisant pour créer massivement de l'emploi dans le secteur privé. Là aussi, je m'expliquerai dans un instant. On peut, mais c'est exactement la même configuration qu'en métropole, on peut avoir un retour de la croissance, mais pour autant, pas forcément une croissance de l'emploi dans le secteur privé. Autre élément d'ambiance, 2014-2015, et là, il faudra, on va y venir tout de suite, hein, parce que c'est un point, c'est un noyau dur, un point important. Cette croissance, elle ne s'accompagne pas non plus d'une reprise de l'investissement, au contraire même. Il y a un recul de l'investissement privé d'une centaine de millions d'euros. C'est pas négligeable. Il faudra essayer de comprendre, au-delà des chiffres, pourquoi l'investissement ne repart pas, et voire même pourquoi il diminue.
Ça sera une thématique qu'on va aborder dans quelques instants. Et dernier point qu'on verra plutôt, comme le rappelait le président Baudouin il y a un instant, on le verra plutôt dans le dossier, dans la deuxième partie de cette réunion. En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que les pouvoirs publics, au sens large, et à l'État, les collectivités locales, ont une faible marge de manœuvre financière et donc ne peuvent que très difficilement, par leur budget, relancer la machine. Un chiffre, le net, je m'expliquerai sur ce qu'est le net, la dépense nette, c'est un net aussi des prélèvements de l'autre côté, c'est 16 millions, je dirais pas c'est rien du tout, mais à l'échelle de notre économie, c'est pas suffisant pour avoir un véritable plan de relance. Alors voilà un petit peu les grands éléments, et si vous en êtes d'accord, sans tarder, on va rentrer dans le détail, avec peut-être dans un premier temps un petit focus sur la croissance. Alors, la mesure de la croissance, en fait, ça dépend beaucoup de la focale que l'on prend, de l'instrument de mesure. Alors, la croissance, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est quoi ? C'est la croissance de la richesse. Donc, la richesse est mesurée par le produit intérieur brut, le PIB. Donc, ce que l'on cherche à faire en tant qu'économiste, c'est de regarder, en fait, finalement, est-ce qu'on produit tous les ans un peu plus de richesse ? OK ? Ensuite, on va essayer de voir est-ce que ce niveau de création de richesse, c'est suffisant ou pas suffisant. Si on prend une première focale qui est la loupe, et vous voyez, c'est sur l'écran, on retrouve ici les chiffres que j'annonçais tout à l'heure en synthèse. Et c'est vraiment là... Il y a pas mal de pays dans le monde qui nous envieraient ces rythmes-là. 1,2, 1,3, il faudra les confirmer plus tard. Mais on voit que la croissance est au rendez-vous. Maintenant, si on change de focale, si on prend non plus la loupe, mais on prend la jumelle, alors là, on a une vision du verre, franchement, honnêtement, à moitié vide par rapport à ce qu'on a pu faire dans le passé. Sur ce graphique, on regarde non pas la petite queue qui est ici, qu'on vient de voir, les 1,2, 1,3, 2014-2015, mais on regarde le film depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'on constate ? On va démarrer, vous voyez, en 1994. Qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, pendant une longue période, qui a été probablement la période glorieuse de l'économie martiniquaise, on a navigué à un rythme, on ne va pas se battre au chiffre derrière la virgule, de 3% par an. Et cette on va assister à une cassure, il va falloir expliquer ça dans un instant, pourquoi il y a une cassure dans ce rythme de croissance. Et la cassure, en fait, on va voir dans un instant, elle est légèrement antérieure à la crise de 2009, elle intervient vers 2007-2008. Mais la crise de 2009 va amplifier bien évidemment la cassure. Et vous voyez, la cassure, elle est nette. Et la cassure, en fait, on se retrouve dans un instant, elle est après le choc contre choc sur lequel je ne reviens pas. On a beaucoup insisté d'ailleurs à l'occasion d'une conférence organisée aussi par la Chambre il y a quelques semaines. Eh bien, on est maintenant sur une vitesse de 1%. D'accord ? Alors, pourquoi ? Parce que les moteurs de la croissance tournent au ralenti. Les moteurs de la croissance, c'est quoi ? C'est 1, l'investissement, 2, la consommation des ménages, et 3, c'est la demande publique. Ça, c'est les trois moteurs de l'économie martiniquaise. Ils sont là, l'État et les collectivités locales continuent de dépenser, les ménages font leurs courses tous les jours, et il y a quand même des entreprises qui investissent un petit peu. Mais tout ça, ça ne tourne pas assez vite. Et donc le paquebot Martinique, en termes d'image, le paquebot Martinique, ou l'avion martiniquais, il navigue plus qu'à 1% de croissance par an au lieu des 3 préalablement. Alors, si on regarde... on va essayer d'expliquer un petit peu pourquoi. Ce qu'on a vu il y a un instant, c'était notre rythme historique, 3%. 1% aujourd'hui. Eh bien, la première explication, sur laquelle on va revenir aussi dans un instant, c'est l'investissement. L'investissement s'est littéralement effondré par rapport à ce qu'on a pu connaître quand on était sur la zone des 3%. Ça, c'est le premier phénomène explicatif qui explique le décrochage. Et puis après, quand on prend la loupe, vous voyez, là, c'était les jumelles, de très long terme, 3%, aujourd'hui plutôt de 1%. Maintenant, quand on prend la loupe, les fluctuations, vous voyez, la droite du temps ici, c'est vraiment beaucoup plus rapproché. Là, c'est des longues périodes, et là, ça peut être des mois, des trimestres, ou quelques semaines. Vous voyez, les fluctuations à court terme, ça, c'est expliqué par la consommation. D'accord. Donc, ça croît, mais ça ne croît pas beaucoup. Et donc, ça veut dire qu'on est scotché durablement. Tant qu'on ne change pas ce modèle de croissance, on est scotché durablement autour de cette ligne pointillée à 1%. Et en conclusion, ou à l'occasion de questions-réponses, on verra comment on peut éventuellement revenir sur la ligne des 3%.
le régime actuel, ben, orienté à la baisse en ce qui concerne les investissements, et une faible progression de la consommation, on vient de le dire. Alors, commençons peut-être par l'investissement, qui est le premier moteur de croissance. Quand on reprend la loupe, c'est le graphique qui est ici, bah, cet investissement, il y a des pics et des creux, hein, on voit, mais globalement, il est orienté à la baisse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, 2015, le modèle nous dit on va être finalement quelque part, on est vraiment sur la tendance. Enfin, c'est la tendance donc constatée depuis 2008. Pourquoi ? Eh bien, en fait, l'investissement baisse parce qu'il a beaucoup trop augmenté. Et c'est le regard, cette fois-ci, de la très longue période qui va nous permettre de comprendre pourquoi l'investissement, je vais enlever ici une image, l'investissement est aujourd'hui orienté à la baisse. Alors, je ne sais pas si c'est très lisible, mais dans les grandes lignes, on voit bien ce qui s'est passé. On démarre l'histoire toujours pareil, il y a 20 ans, 1993-94, et on va mesurer l'évolution de l'investissement. D'accord ? Et qu'est-ce que l'on constate ? On constate que jusque à peu près 2002-2003, l'investissement, il est là, vous voyez, il augmente, bon an, mal an, sur un rythme, si on voulait des chiffres précis, sur un rythme à peu près constant. Et puis, on a un choc d'investissement. On a un choc d'investissement à partir de 2003. Et vous voyez, d'un seul coup, la courbe bleue qui représente l'investissement, elle part au plafond. Là, on a des entreprises, avec aussi des dispositifs fiscaux qui vont accélérer le mouvement, bien évidemment, on a des entreprises qui se projettent dans l'avenir, qui disent, en fait, ben, on va installer des capacités de production, on va construire des hôtels, on va aménager le territoire, on va acheter des machines, on va construire des bâtiments. On se projette dans l'avenir en disant, ben, voilà, donnons-nous aujourd'hui les capacités de production pour répondre à la demande demain. Le seul problème, c'est que la demande, elle n'a pas suivi ce rythme. Sur ce deuxième schéma, je ne vais pas tout commenter, vous retrouverez ce document ce graphique dans les documents. Ce deuxième schéma, il nous montre que c'est la courbe rouge, les capacités de production ont considérablement augmenté dans l'économie grâce justement à cette croissance de l'investissement. Hein ? On a eu, les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais je me souviens de la progression du nombre de chambres d'hôtel, du nombre de clés, a été absolument fabuleux, si je reprends uniquement ce secteur-là. L'augmentation aussi des surfaces commerciales à ce moment-là, donc les investissements dans ce secteur-là. Donc on a une augmentation considérable des capacités de production, mais vous voyez la demande, là c'est la courbe bleue, ce qu'on appelle la demande effective chez les économistes, c'est en fait la demande portée par un pouvoir d'achat. La demande, elle ne suit pas à la même vitesse. Donc on a des entreprises, pour faire simple, qui peuvent produire de plus en plus parce qu'elles ont énormément investi, et par contre les clients ne se précipitent pas. Les touristes ne sont pas là à hauteur du nombre de clés qu'on met à leur disposition. Qu'est-ce qui se passe ? Là, je parle sous le contrôle de nombreux chefs d'entreprise qui sont parmi nous ce matin. Qu'est-ce qui se passe ? Arrive un moment, on met le pied sur l'investissement. À quoi ça sert de racheter une énième machine si les N-1e ne fonctionnent pas ? À quoi ça sert de refaire un hôtel supplémentaire si les autres sont déjà avec des taux d'occupation insuffisants ? Et voyez, c'est ça ce qui est important, c'est le gap. Il y a trop de capacités de production, non pas dans l'absolu, mais par rapport à la demande. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et c'est la deuxième partie du graphique qui est là, et que nous vivons encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les entreprises lèvent le pied sur l'investissement. Elles ralentissent l'investissement, et donc elles coupent le moteur, un des trois moteurs, hein, vous vous souvenez, investissement, consommation et demande publique. Il y a un des trois moteurs, le premier, le principal, le plus lourd, boum, d'un seul coup, on le coupe. Et l'avion plane pour redescendre sur la zone de vitesse de croisière à 1%. Je voudrais le revenir là. Donc, l'investissement moteur coupé, si j'ose dire. Alors, maintenant, on va regarder la consommation. Qu'en est-il ? Est-ce que la consommation permettrait, c'est le deuxième moteur, de faire repartir notre machine dans la zone des 3 %? Hélas, non. On aimerait bien, mais on ne va pas se mentir. De nouveau, peut-être à la fois la jumelle et la loupe, voilà la croissance de la consommation des ménages. C'est 1%. Estimé cette année, c'était 0,8, vous voyez, c'est à peu près la même chose l'an passé. On va dire, c'est bien, c'est pas zéro déjà. Oui, mais c'est deux fois moins que dans le passé. Dans le passé, c'est la première barre qui est à l'extrême gauche du graphique. En moyenne 2000-2008, on était presque à 2% de croissance de la consommation par an.
Là, on est maintenant plutôt dans la zone des 1%, donc deux fois moins qu'historiquement. Il faut expliquer ça. Pourquoi ? Pourquoi la conso, hein, le moteur de la consommation ne repart pas ? Alors, premier facteur explicatif, ce sont les salaires. Si on fait un sondage rapide, tout le monde veut bien consommer plus. Mais donc, il n'y a pas un refus de consommation. Ce n'est pas le problème. On consomme en fonction principalement de son salaire. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de la progression des salaires dans l'économie martiniquaise l'année dernière et cette année? On va rester d'ailleurs sur les chiffres de cette année. En fait, on ne peut pas répondre tout de suite à cette question, les salaires, parce qu'il y a des dynamiques complètement différentes dans le secteur public et dans le secteur privé. Donc on est obligé au moins de faire une petite distinction entre public et privé. Si on regarde d'abord le public, mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. C'est un mécanisme qui a été pris au niveau national. Sans trop jargonner, vous savez qu'il y a dans la fonction publique un gel du point d'indice. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait que les traitements dans la fonction publique sont bloqués. Les salaires continuent d'augmenter, mais sous un seul effet, qu'on appelle dans le jargon de la fonction publique l'effet GVT, glissement, vieillesse, technicité. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez voir votre salaire de fonctionnaire augmenter, votre traitement, donc pour être plus précis, si vous changez de grade parce que vous êtes un peu plus ancien ou si vous avez accédé à un nouveau poste avec plus de technicité, donc avec un indice nouveau majoré un peu plus élevé. Mais c'est tout, c'est tout. L'effet GVT en Martinique, on le calcule, c'est 1,6, c'est ce qui va arriver, c'est 1,6% de progression des salaires, mais pas plus, parce que l'effet point d'indice est bloqué. Donc mauvaise nouvelle, ça ne s'attire plus. Sur le secteur privé, c'est beaucoup plus délicat. Là, d'imaginer quelle va être l'augmentation des salaires d'ici la fin de l'année. On fait une hypothèse, mais qui est quand même vérifiée dans le passé. En fait, c'est que concrètement, les salaires privés sont en corrélation avec l'inflation décalée d'une année. C'est-à-dire en fait que dans les négociations salariales, la base même, c'est au moins de rattraper l'inflation de l'année précédente. Donc, si on adopte de nouveau cette règle pour l'année 2015, et on verra à la fin de l'année, on va se retrouver et on verra si je me suis beaucoup trompé sur cette hypothèse, eh bien en fait, ça augmenterait de 0,8%. Donc 1,6 dans le privé, dans le public, excusez-moi, 0,8 dans le privé. Ça nous fait 1,1 en moyenne compte tenu du poids relatif de masse. Alors, annoncer des salaires, une augmentation des salaires, c'est bien, mais en fait, ça ne renseigne pas tellement. Je vais vous donner un exemple très concret. Si on me dit, tiens, ton salaire a augmenté de 2%, je ne souris pas, je ne pleure pas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut immédiatement que je compare ça au prix. Parce que si mon salaire augmente de 2%, mais que les prix ont augmenté de 3%, je suis perdant dans l'affaire. Mon pouvoir d'achat a baissé. 2 moins 3. Vous voyez cette idée ? Donc, il faut comparer tout de suite les salaires à ce que je peux acheter avec ces salaires, c'est en fait regarder les prix. Alors, les prix, là, c'est une bonne nouvelle. Là aussi, c'est une projection, mais on peut imaginer que les prix, d'ici la fin de l'année, n'aient pas plus augmenté que de 0,6%. Alors, essayons de faire un petit zoom sur les prix. Normalement, ça devrait marcher. Qu'est-ce que l'on constate depuis 2010 ? Les prix continuent d'augmenter, hein. Attention, mais voyez qu'ils augmentent de moins en moins vite. On était, c'est en 2011, au pic à 2,5% de croissance des prix. Puis vous voyez, je ne vais pas commenter tous les chiffres, ça n'a pas d'intérêt, vous voyez, tous les ans, l'inflation est là, les étiquettes valsent, mais la valse commence à se ralentir. Et on était à 0,8 en 2014, on pourrait être à 0,6 en 2015. Comment peut-on faire cette projection ? C'est assez simple, l'inflation en Martinique, elle est fortement corrélée avec l'inflation en moyenne nationale. Mais vraiment, la corrélation est extrêmement bonne. Là, je parle sous le contrôle de mon confrère, de l'INSEE. Et donc, en fait, en fonction de ce que nous attendons en métropole, c'est-à-dire 0% de croissance des prix prévus, je ne me trompe pas, hein, c'est ça, hein, 0% cette année, eh bien, en fait, le delta, la petite marge martiniquaise, elle est de 0,6 points. Donc, on l'a remis ici. 0,6 points, c'est pas mal. On peut dire, ça, c'est bien pour le pouvoir d'achat des ménages. Alors là, je reprends mon côté prof, je dirais c'est pas mal, mais peut mieux faire. Peut mieux faire parce qu'en fait, on n'est pas très très bon en matière de valse des étiquettes en Martinique. On est même le plus mauvais des DOM. Je vais vous montrer. L'inflation, ici, en Martinique, c'est la plus forte. Alors là, il ne s'agit pas de prévision, il s'agit de chiffres donnés par l'INSEE, hein, bien évidemment. Et ces chiffres, les derniers, à ma connaissance, qui ont été publiés, portent sur la période janvier 2015. Et on peut faire un comparatif entre janvier 2015 et janvier 2014. Vous voyez, ça fait un an, ce n'est pas de décembre à décembre, c'est de janvier à janvier. C'est la dernière donnée la plus fraîche.
La Martinique, c'est la petite barre rouge. Hein. Donc, vous voyez, on n'est pas à 0,6, parce que là, ça ne porte pas sur l'ensemble de l'année 2015. Là, c'est simplement entre 2015 et 2014. On était à 0,4, ça, c'est du sûr. D'accord, 0,4 mesuré. En métropole, on était à moins 0,4. À La Réunion, moins 1,2. En Guyane, les prix n'avaient pas bougé. En Guadeloupe, 0,1. Alors, les structures économiques sont un petit peu différentes, l'histoire économique est différente, bien évidemment, il y a des facteurs objectifs qui expliquent ça. Mais quand on dit 0,6 en Martinique, c'est bien, mais on pourrait peut-être avoir une croissance des prix moins forte encore. Et c'est autant de pouvoir d'achat gagné pour les ménages, et c'est donc finalement autant de clients supplémentaires pour les entreprises. Hein. Je veux dire, la logique macroéconomique, c'est une logique de cohérence d'ensemble. Alors, simplement, très rapidement, sur la projection 2015, il y a encore deux grandes inconnues. On fait une estimation du 0,6. Seulement, moi, je ne suis pas devin. Hein. Il faut aussi bien mettre en avant ce que l'on ne sait pas. Le premier inconnu, pas favorable, il faut le reconnaître, c'est le prix du baril de pétrole. Le baril, je commence ça très rapidement, vous voyez, là, c'est 2013, 2014, 2015, et l'été, ça veut dire trimestre. Hein, okay. Donc, vous voyez que... on a un prix du baril qui est aux alentours des 105 dollars hein, jusqu'à peu près le troisième trimestre 2014. Et puis d'un seul coup, pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir éventuellement dans la discussion, d'un seul coup, le prix du baril s'effondre. Il passe de 100, pour faire simple, à 50. Hein, c'est des choses qui se sont rarement vues. D'accord ? Il y a eu des contre-chocs, mais là, c'est absolument énorme. Et puis, donc on est au T1 de cette année, donc là, c'est dû mesurer. Hein. Et vous voyez, la barre s'arrête là, parce que là, la mesure s'arrête, et puis après, c'est de la prévision. Et qu'est-ce que nous dit une institution relativement sérieuse, hein, ou même voire très sérieuse, qui est le Fonds monétaire international? Elle nous dit, c'est fini. Le pétrole pas cher, c'est à 50 dollars, c'est terminé. Et la projection centrale du Fonds monétaire international, c'est que ça va augmenter d'au moins 20% d'ici la fin de l'année. C'est un véritable impôt qu'on va devoir payer. On n'en a pas conscience, mais l'augmentation du prix du pétrole, c'est un prélèvement de notre pouvoir d'achat. Pour la même quantité de fuel ou d'essence, nous devons payer plus cher. C'est un impôt pétrolier qu'il faut acquitter. C'est autant de moins que nous pourrons mettre dans notre consommation. Et donc, autant d'éléments en plus sur la hausse qui pousseront à la hausse des prix. Et puis, il va s'ajouter, parce que les deux ne sont pas forcément liés, mais s'ajoutent malheureusement, c'est la baisse de l'euro. Ce n'est pas une bonne nouvelle du tout. Alors bien sûr, quand on est dans un secteur exportateur, je pense que si on avait invité le patron d'Airbus ce matin, il nous dirait peut-être exactement l'inverse de ce que je vais vous raconter moi. Mais pour une économie martiniquaise comme la nôtre, ce n'est pas bon du tout. Nous avons en fait une partie de des biens et des services que nous ne pouvons pas produire localement, nous les achetons au reste du monde. Le plus gros, on les achète en euros, donc là c'est neutre, un euro c'est toujours un euro. Par contre, tout ce que nous payons en dollars, nous risquons de le payer plus cher. Donc la baisse de l'euro, c'est un prélèvement aussi, c'est une baisse de pouvoir d'achat international. Je vous en donner un exemple très concret. Là, on est en mars 2015. Je pense qu'Eurostat a dû publier la moyenne mensuelle avril maintenant, mais on sera tout légèrement un petit peu plus bas. On va reprendre en mars 2014, il y a exactement un an. Il y a un an, quand j'avais un euro dans ma poche, je pouvais m'acheter une marchandise qui coûtait 1,35 $. J'arrondis. Un euro dans ma poche, il y a un an exactement, en mars, je m'achète une marchandise qui coûte 1,35 $. Mars 2015, j'ai toujours un euro dans ma poche. Qu'est-ce que je peux acheter? Je peux acheter qu'une marchandise qui vaut à peine plus d'un dollar. 1,05 $. Et qu'est-ce que la plupart des analystes pensent? Qu'on flirterait avec le 1 pour 1, voire même certains vous disent on va retomber sur le taux de change de 99, c'est en dessous de la parité. C'est une mauvaise nouvelle, hein. Faut pas la cacher, parce que nous payons le baril de pétrole en dollars, donc si on a un effet choc de prix plus choc de change, ça fait deux fois là-dessus, et puis un certain nombre de marchandises aussi sont achetées, bien évidemment, et libellées en dollars. Donc ça, c'est des inconnus, espérons que ces projections de prix ne soient pas trop, trop négatives, et qu'on reste bien, si possible, dans la zone des 0,6. Parce que vous voyez que là, ça s'appelle un gain de pouvoir d'achat pour les ménages, hein. Les prix augmentent de 0,6, les salaires augmentent de 1, 0,5 points de pouvoir d'achat. 0,5 points, vous verrez dans la note, hein, c'est pas énorme non plus. Hein, ça fait une cinquantaine d'euros, hein, pas plus dans le portefeuille de chacun pour pouvoir acheter des marchandises. Alors, dernier élément qui permet de comprendre les évolutions de consommation, c'est l'emploi. L'emploi, parce que bien évidemment, plus j'augmente le pouvoir d'achat et plus je
donne du travail et donc je fournis ce pouvoir d'achat, et plus j'aurai de consommation. 0,4% de croissance de l'emploi, mais ça, ce chiffre, honnêtement, il est assez trompeur parce qu'il est trop global. Et c'est la raison pour laquelle il va falloir rentrer à l'intérieur de certains détails, pas trop non plus. Donc, une croissance de l'emploi, les 0,4, on les retrouve ici, c'est la courbe verte. Vous voyez, c'était 0,2 estimé l'année dernière, 0,2, 0,4, mais vous voyez qu'il y a deux autres courbes. Et la première, on va étudier, c'est le secteur privé. Eh bien, en fait, selon toute vraisemblance, si on a 1,3% de croissance cette année, la croissance de l'emploi dans le secteur privé sera nulle. Pourquoi ? Parce que là aussi, l'histoire, hein, et puis une histoire très très longue, nous montre que quand les entreprises voient la demande augmenter faiblement, et 1,3, ce n'est pas énorme, elles ne sont pas obligées d'acheter une nouvelle machine, elles ne sont pas obligées d'embaucher un nouveau salarié. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait des gains de productivité. On répond à une demande supplémentaire de 1,3% en demandant au gars, bon, tu bosses un peu plus. La machine, on l'utilise un peu plus, elle est déjà sous-utilisée, donc là, il n'y a pas de souci. Et faire 1,3% de croissance de productivité, c'est pas énorme. On est loin des standards internationaux. On a vu, par exemple, au début des années 2000, l'économie américaine faire des 5% de productivité pendant plusieurs années. Donc, vous voyez, 1,3. Et ce chiffre, cette méthode-là, elle est valable aussi pour la métropole. En métropole, l'OFCE, qui est l'Office français des conjonctures économiques, un organisme très sérieux, lui, il a chiffré, c'est pas 1,3, c'est 1,5. C'est-à-dire que quand la croissance métropolitaine est inférieure à 1,5, on ne crée pas d'emploi. D'accord ? J'ai entendu l'interview, comme vous, j'imagine, du ministre Sapin ce dimanche, qui disait, mais oui, bien sûr, les choses à l'avenir changeront, et ce que l'on espère, c'est d'avoir une croissance de l'emploi avec moins de croissance économique. Donnons-lui rendez-vous dans quelques années pour voir si cette prévision se révèle juste. Mais dans l'économie martiniquaise, quand on est en dessous, aux alentours des 1,3, ce n'est pas suffisant pour créer de l'emploi. Donc il faudra, bien évidemment. Alors, d'où va-t-il venir cet emploi, les 0,4 ? Il viendra essentiellement de l'emploi public. Alors, lequel emploi public ? Vous retrouvez ça, je crois que c'est un petit peu détaillé dans le document. Quel emploi public ? Regardons les versants de la fonction publique. Est-ce que c'est l'État ? Non. L'État, depuis les mesures de RGPP, de Révision Générale des Politiques Publiques, puis ensuite de MAP, l'État est dans un processus de non-renouvellement des départs en retraite. Et donc, en Martinique, comme dans le reste de l'Hexagone, la croissance des effectifs publics est négative. Donc, État, non. Plutôt en retrait, même. Fonction publique hospitalière, c'est le troisième versant, et vous doutez bien que c'est le deuxième qui va l'emporter. Fonction publique hospitalière, c'est une hypothèse que nous faisons, mais pour avoir connaissance des difficultés de ce secteur en ce moment, je ne crois pas que la croissance de l'emploi viendra de lui. Qu'est-ce qui reste ? Il reste les collectivités locales. Et si on leur prête la même politique de recrutement cette année qu'elles ont eue les années précédentes, on arrivera effectivement à une croissance d'un peu plus de 1% de l'emploi public. Sachant que l'emploi a augmenté de 3%. Alors, est-ce qu'elles en ont une capacité financière ? Ça, c'est un débat qu'on pourra éventuellement avoir. Voilà. Donc au mieux, c'est une hypothèse un petit peu optimiste, au mieux 1%. Maintenant, revenons sur une courbe qui fait couler beaucoup d'encre, dont l'inversion est évidemment souhaitée, c'est la fameuse courbe du chômage. Alors, ici, quand on crée 0,4% de croissance d'emploi, est-ce que ça a un impact sur le chômage ? Oui, a priori, oui. Voilà l'évolution du nombre de demandeurs d'emploi, et ça c'est la statistique INSEE jusqu'en 2014. Et la projection Caravel, donc notre projection avec toutes les erreurs qu'on peut commettre, pour l'année 2015. Et qu'est-ce qu'on constate ? Quelque chose qui est quand même assez satisfaisant. C'est que malheureusement, le chômage depuis 2009 a cru, mais si on faisait une petite étude mathématique fine, on verrait que la vitesse de cette croissance est en train de ralentir. C'est un peu genre, plus je pédale moins vite, moi j'avance plus doucement, mais ça revient un petit peu à ça. C'est-à-dire en fait, vous voyez, on arrive à un moment, c'était 2014, où le nombre de demandeurs ne croît plus beaucoup. Hein ? On arrive en quelque sorte à un espèce de plafond. Et puis après, ce que l'on peut espérer, si on a 0,4%, c'est une légère décrue. Alors, je n'irai pas vendre ma chemise sur l'inversion de la courbe du chômage en Martinique. Pourquoi ?
Parce que pour avoir travaillé sur ce sujet pendant de nombreuses années, je sais que c'est sur ce domaine-là qu'on commet les plus grosses erreurs. Vous trouverez dans la documentation un tout petit encart, mais je le signale. On se trompe beaucoup, pourquoi ? Parce que paradoxalement, souvent, la croissance crée du chômage. L'emploi crée le chômage. C'est un paradoxe, je ne vais pas le détailler, mais il est détaillé dans le petit rapport, là, en quelques lignes. Et donc, en fait, si on a de la croissance, si on a de la croissance de l'emploi, on pourrait se retrouver avec plus de chômeurs. J'ai été au chômage pendant des années, je me suis retiré, je n'avais aucune chance. Puis ma copine, là, grâce à la croissance, elle vient de trouver un emploi. Ah tiens, ça me redonne la pêche. Je me réinscris à Pôle emploi. Un chômeur qui retrouve un travail, c'est un chômeur supplémentaire de quelqu'un qui était un petit peu dans ce qu'on appelle nous vulgairement la trappe à chômeurs, hein, qui était découragé, qui revient dans les statistiques. Donc, inversion, on aimerait bien, on le souhaiterait tous, bien évidemment, mais soyons prudents. Mécaniquement, oui. Ensuite, sur le terrain, c'est peut-être un petit peu différent. Ah, là, pourquoi je n'ai pas le retour ? Voilà. Donc, on a bouclé nos principaux facteurs ici qui viennent expliquer que ce moteur tourne au ralenti. Et si je résume, la consommation, qui est le moteur de la croissance à très court terme, d'ici la fin de l'année, ça tourne au ralenti parce que la croissance des salaires n'est pas nulle, mais elle va être en partie amputée par les prix. Donc on aura 0,5 points de pouvoir d'achat, pas plus, c'est-à-dire quelques euros de plus. Hein. J'ai fait un calcul pour les catégories les plus défavorisées, c'est moins de 5 euros. Hein. Pour les plus riches, ça sera 130 euros. Mais en moyenne, ça doit être de l'ordre de 50 euros, hein, vous voyez, de gain de pouvoir d'achat. On ne va pas loin avec ça. Hein. Il en faudrait 10 fois plus pour commencer un peu à booster l'économie. Et puis, troisième facteur, hein, après le pouvoir d'achat, c'est l'emploi. J'ai débordé de 10 minutes, mais... voilà, on a fait le tour à peu près de cette première image. Donc, et avant de passer au dossier, ce que je vous suggère, et je vais vous laisser tout de suite le micro, ce que je vous suggère, c'est peut-être de recueillir vos critiques, vos réactions, vos questions, surtout si je n'ai pas été clair, c'est la macroéconomie, on utilise beaucoup de jargon et beaucoup de techniques, donc n'hésitez pas, et en toute liberté, hein, vraiment... Nous sommes là vraiment pour débattre. Est-ce que vous vous retrouvez dans ces images ? Est-ce qu'elles vous semblent complètement déconnectées de la réalité que vous vivez en tant que chef d'entreprise ou en tant que journaliste qui est au quotidien confronté à cette réalité ? Le micro est à vous. Le micro ou pas, d'ailleurs, parce qu'on n'est pas très nombreux. Merci beaucoup. Vous parlez d'investissement. Ce que j'aimerais savoir, c'est si les investissements ont eu lieu dans les bons secteurs et de façon pertinente. Parce que c'est vrai qu'on peut investir dans l'hôtellerie. Est-ce que c'est le bon secteur ? Et est-ce que les investissements ont été pertinents ? Est-ce que les chambres sont assez grandes ? Est-ce que les hôtels correspondent à une demande, etc. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce que une à une, c'était un choix très astucieux, le tourisme, oui. Il y a quelques années de ça, moi j'ai eu la chance de venir depuis un peu plus d'une vingtaine d'années en Martinique et de suivre donc depuis un peu plus de 20 ans l'économie martiniquaise d'assez près. Je pense, mais là je vous écris mon point de vue, il est très critiquable. Hein, si vous ne pensez pas, je pense que c'était un très bon choix. On avait vraiment des atouts, je ne vais pas les énumérer. Et quand, au début, milieu plutôt des années 90, quand on a vu monter en puissance les marinas, quand on a vu monter en puissance les hôtels, et qu'ils étaient remplis à cette époque-là, hein, quand on avait, je me souviens, les Jumbo, c'était les vieux 747 à l'époque, il y avait 3-4 rotations. On avait 2 rotations Air France, une sur Roissy, l'autre sur Orly, par jour. Souvenez-vous. Et ces avions, ils n'étaient pas vides. La qualité... Moi, j'ai l'habitude de voyager dans la quasi-totalité de l'outre-mer et puis ailleurs dans le monde. La qualité était au rendez-vous. C'était pas des destinations. On n'était pas Gstaad, mais on connaissait le produit. Le produit était bien calibré. Après, bon, l'histoire a tranché. Pourquoi l'histoire a tranché ? Parce qu'en fait, on a oublié quelque chose. Il ne faudrait pas l'oublier si on réfléchit à un plan de développement touristique maintenant. Le tourisme, c'est un cycle de vie, c'est des produits. Si vous n'offrez pas le bon produit au bon moment, vous êtes mort. Moi, j'ai travaillé longtemps sur le tourisme en Polynésie, et je ne voudrais pas abuser de mon temps de parole. Pourquoi le tourisme polynésien, il a eu exactement le même cycle de vie que le tourisme antillais, d'une manière générale, et martiniquais en particulier. Inventeur, entre guillemets, génial, un produit piloté sur l'eau. L'idée des Polynésiens, c'est que quand on a un touriste, on l'assassine. Les prix les plus élevés du monde.
hein, avec une qualité de service assez médiocre. Le nombre de personnels par clé, un des plus bas du monde. D'accord ? Mais on a les pilotis sur l'eau, on fait rêver, et quand on interroge les Polynésiens, et les responsables, ils disent, de toute façon, vous n'allez pas revenir. Donc, vous y allez une fois, vous n'y retournez pas une deuxième fois, donc on s'en moque. Voilà. Et puis, ils se sont reposés là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver ? Des gens astucieux, aux Maldives, avec un décalage horaire nettement moins par rapport aux émissions européennes, avec des prix Maldives, avec une proximité océanienne, des lagons qui sont tout aussi beaux. Ils ont fait des pilotis sur l'eau. Le modèle polynésien s'est effondré. Il faut trouver des produits. C'est pas parce qu'on a les avions, c'est pas parce qu'on a les hôtels. Alors après, si malheureusement les hôtels, on ne les entretient pas, on ne les rénove pas, on n'est plus du tout aux normes internationales, alors là, c'est terrible. Là, vous avez un départ, par exemple, des grandes enseignes, je pense notamment à Accor. Quand Accor part, il envoie un signal sur le marché touristique, qui est quand même un signal assez catastrophique, faut être honnête. Donc, si on reste simplement sur le tourisme, mais il y a beaucoup d'autres secteurs, dans l'agroalimentaire, je pense, dans toutes les filières aussi, BTP, dans les filières notamment menuiserie métallique, il y a eu de très bons choix, de très bons choix qui ont été faits. Par contre, ils ont été probablement un peu surdimensionnés. On n'a pas le temps ce matin, mais il faudrait réfléchir à un des effets pervers de la défiscalisation à ce moment-là. Est-ce que la défiscalisation, qui est un outil formidable, alors ça je crois qu'on pourrait en débattre longtemps, mais c'est un outil formidable, est-ce que ça n'a pas été aussi un outil qui a conduit à trop d'investissements ? Et aujourd'hui, bon, c'est facile de ma part, hein, on a le recul du passé, on a les gaps entre, on l'a vu, vous savez, la courbe rouge, capacité de production, la courbe bleue, la demande, on se dit, bon, on a trop investi. Sur le coup, on n'a pas vu qu'il y avait trop d'investissements. J'ai... Je vous laisse le micro. Ah, voilà. Dans le micro par rapport aux caméras. Oui, j'irai pas. Je reprends la question. Simplement, est-ce que la baisse d'investissement que vous avez observée, est-ce qu'elle peut être due au climat social ? J'ai envie de laisser la réponse à des chefs d'entreprise. Je dirais que quand vous achetez une... Enfin, je réponds rapidement. Quand vous achetez une machine, vous la gardez pour 7 ans. Quand vous achetez vous construisez un bâtiment, vous le gardez au minimum pour 30 ans. Un climat social, ça va, ça vient. Je pense que quand un chef d'entreprise prend une décision, elle est lourde, hein, l'investissement. Ça peut vous faire mourir, un investissement. Hein, et on a vu malheureusement des entreprises qui ont disparu à cause de ça. Hein. Quand l'investissement ne trouve pas sa demande, ça met à plat l'entreprise. Hein, ça casse sa rentabilité et ça casse sa raison d'être, il faut être honnête. Donc le climat social, je ne suis pas bien sûr qu'il soit un facteur décisif de l'investissement. Si vous regardez la bourse, hein, on dit toujours on investit au canon. Hein, et on vend au clairon. Ben, l'investissement, ça va traverser tout ça. Enfin, c'est mon sentiment. Oui, je pense qu'effectivement, ça fait la bonne réponse. J'ai par contre une autre question à vous poser sur la corrélation entre le social, au sens statistique du terme, et l'emploi. Vous nous avez montré qu'on était sorti d'un modèle de croissance à peu près à 3,1% pendant 10 ans, avec finalement une bonne capacité d'embauche. Un nouveau modèle de croissance ou de croissance molle à 1% qui a projeté beaucoup de monde dans le chômage. Et donc nous sommes installés dans ce nouveau modèle. La question que je pose, c'est que nous savons que nous sommes un pays démographiquement vieillissant. Ça veut dire que pas mal de monde vont sortir des couches employables. Est-ce que cette évolution est de nature à ralentir la montée du chômage ? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Alors... On a vu, et d'ailleurs c'était une étude aussi réalisée à la demande de l'AFD, mais avec la participation de la Chambre de commerce, on a fait une étude récemment sur le vieillissement en Martinique, et dans les deux scénarios, le premier, un peu tendanciel, montrait que le vieillissement jouait un petit peu négativement quand même sur les rythmes de croissance. Alors on a un phénomène aussi, celui que vous évoquez, en disant, bon, effectivement, mais d'un autre côté, il y aura moins de population active, donc il y aura moins de chômeurs. Oui, mais je dirais que les choses ne sont pas aussi simples. On peut tout à fait avoir une situation là paradoxale dans laquelle en fait le chômage ne baisse pas tellement parce que les qualifications ne correspondent pas des demandeurs d'emploi. C'est souvent d'ailleurs malheureusement l'absence de qualification. Et là, la Chambre travaille, je crois, beaucoup sur ce sujet-là. Mais c'est l'absence de qualification des demandeurs d'emploi qui font qu'ils ne retrouveront pas du travail. Donc on peut, et c'est pas le moindre des paradoxes, hein, on peut tout à fait avoir des rythmes de croissance faibles avec une montée du chômage, des sorties de trappe et une persistance même du chômage parce qu'il n'y a pas une très bonne adaptation, qualification à l'emploi. Cela dit, et je vous repasse tout de suite la parole, je sais aussi d'expérience qu'il n'y a rien de plus difficile que d'essayer de faire des prévisions pour essayer de mettre en relation la qualification et l'emploi.
C'est extrêmement difficile parce que quels seront les emplois de demain? Et quand on connaît la durée d'un processus de formation, entre la formation de base dispensée par l'Éducation nationale, la formation complémentaire, c'est un exercice qui est très difficile. J'ai une question pour vous. Sur la dépense publique, vous annoncez un chiffre de 2,7 milliards, départements, régions, États. Est-ce volontaire de ne pas compter? On va y arriver. Voilà. Alors justement, ça reste dans la conjoncture. Dans vos conjonctures, est-ce qu'on est compte des investissements, des dépenses publiques, des collectivités, départements, départements, régions, d'accord, mais communes et communautés d'agglomération? Non, et ça sera on y reviendra dans un instant. Dans le périmètre que nous avons pu traiter dans le cadre de l'étude, il y a des zones d'ombre, et il n'y a pas que celle-là, il y a effectivement les communes, les interco et autres, il y a l'Europe. Une centaine de millions dans le prochain PO par an. Et puis, il y a aussi les dépenses des administrations de sécurité sociale qui font partie des dépenses publiques, mais qu'on n'a pas traitées. Donc, ça sera une réserve sur laquelle je reviendrai. Là, pour l'instant, le chiffre que vous venez de citer, des 2,7 milliards, c'est dépenses État plus les deux grandes collectivités locales qui, bientôt, ne feront plus qu'une dans quelques semaines. Donc, c'est une limite à l'exercice. Vous avez tout à fait raison. Merci. Je voulais juste rajouter quelques éléments. Je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Donc avec l'AFD et l'IEDOM, l'INSEE, on publie des comptes rapides. Donc juste pour rappel, on est à moins 0,5% de croissance sur 2013. Et les chiffres 2014 seront publiés en septembre 2015. On ne fait pas de projection à l'INSEE sur 2014 et 2015. Et bon, voilà, je suis peut-être un peu moins optimiste sur les chiffres de plus 1,2 ou 1,3% de croissance. Notamment parce que des indicateurs investissement des entreprises, confiance, etc. étaient porteuses en début de l'année 2014. Elles sont beaucoup moins fin 2014. Également rappeler aussi que le PIB, c'est un indicateur effectivement sur la production des entreprises sur le territoire, mais qu'on a des indicateurs comme le PIB par habitant et indicateur développement humain qui permettent d'appréhender le niveau de vie des habitants du territoire. Et ensuite, j'avais donc effectivement sur le taux de chômage, c'est le ratio entre demandeurs d'emploi et population active. Le nombre de demandeurs d'emploi peuvent diminuer. Si la population active diminue, le taux de chômage peut rester constant. Voilà. Et l'impact de la démographie sera très très important pour la Martinique, baisse de population et vieillissement. Et j'avais une petite question. Donc effectivement, la diminution du salaire impacte sur le pouvoir d'achat des ménages et donc la consommation et donc le produit intérieur brut. Mais il y a aussi un effet sur l'investissement des entreprises. Et est-ce que, comme ça s'est vu en Allemagne, une baisse des... Alors je mets un peu un pavé dans la mare, mais une baisse des salaires permettrait aux entreprises d'accroître leur investissement et donc peut-être leur production, le PIB et par-delà l'emploi. Je ne vais pas me défiler. J'entends bien ce discours. Moi, j'aurais une autre approche. Je dirais, si on veut vraiment tuer la machine, faisons ça. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que concrètement, aujourd'hui, ce qui manque aux entreprises, mais là, je me retourne vers les chefs d'entreprise que certains vous êtes, ce qui manque, ce sont les clients. Les clients, il faut qu'ils soient portés par un pouvoir d'achat. Si on diminue... Là, je dirais ce pouvoir d'achat, on diminue la clientèle. Je discutais, mais vraiment, c'était pas du café du commerce, mais c'était des discussions de la vie quotidienne. Et qu'est-ce qu'on me disait ? On me disait, mais de plus en plus, quand on regarde dans les supermarchés, passé le 15 du mois, on fait plus tellement la queue aux caisses. Et pourtant, le nombre de mètres carrés de planchers commerciaux, il a bondi. Moi, entre il y a 20 ans et aujourd'hui, à chaque fois, j'ai dit, mais c'est pas possible. Là, je me souvenais, là, il y avait du sucre, là, il y avait de la banane. Maintenant, il y a un hypermarché. Hein. Donc, ce qui manque, en fait, c'est la demande. Alors, effectivement, l'investissement pourrait repartir, mais je dirais aujourd'hui, le problème, c'est plus de gérer ce qu'on va appeler, dans un langage un peu franglais, le downsizing, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, les capacités de production, elles sont là. Et ce qui manque, ce sont les clients. Et au contraire, ça serait une augmentation du pouvoir d'achat, qu'ils
ça c'est ma vision, mais elle peut être tout à fait critiquée. Hein. Ce qui manque, c'est une augmentation du pouvoir d'achat. Mais d'un autre côté, elle ne va pas nous tomber du ciel, cette augmentation de pouvoir d'achat. Et je comprends bien la difficulté de la rentabilité des entreprises qui ont, elles, un stock de capital à faire tourner et il n'y a pas les clients. Et c'est le serpent qui se mord la queue. D'où, là, d'ailleurs, le dossier sur lequel on va travailler aussi ce matin. Est-ce que le public pourrait, lui, il est ni du côté consommateur, ni du côté des entrepreneurs, il est pour tout le monde. Est-ce que le public pourrait faire partir tout ça? C'est un petit peu ma réponse. On aurait tendance à dire, mais c'est très simple, si on veut plus de consommateurs, il faut augmenter les salaires. Le problème, c'est est-ce que les entreprises martiniquaises, dans leur état de rentabilité aujourd'hui, est-ce qu'elles peuvent augmenter? Alors, certaines, probablement. Il faudrait regarder presque cas par cas, les ratios que l'INSEE et l'IEDOM et l'AFD suivent, et la réalité des chefs d'entreprise montre que la marge de manœuvre en termes d'augmentation des salaires, elle n'est pas là. Alors le plus grand risque, et ça on pourra peut-être en reparler, mais pas cette fois-ci, à une autre occasion, le plus grand risque, c'est qu'on ait en plus un autre problème de pouvoir d'achat, venant cette fois-ci du public, avec la désindexation la correction du coefficient de d'indexation, comme le suggère le dernier rapport de la Cour des comptes. Alors ça nous achève. Hein, donc restons. Voilà, c'est ma position. Hein. Mais par contre, à moyen terme, il faudra vraiment se poser des questions, et on avait évoqué ce moyen terme lors de la dernière réunion, c'est une fois que la machine sera repartie, on pourra se poser la question comment la faire repartir. Mais une fois qu'elle sera repartie, il faudra effectivement peut-être revoir les clés de répartition entre le capital et le travail. Vous avez montré que, effectivement, l'investissement privé avait fortement reculé, malgré le yo-yo sur la moyenne période. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous avez mis en relation cette évolution-là avec les taux, ce qu'on appelle les taux de marge, c'est-à-dire la répartition dans la valeur ajoutée de la rémunération du capital et de la rémunération du travail? Et puis, deuxième question, vous avez parlé du vieillissement, vous avez parlé de la baisse, monsieur de l'INSEE a parlé de la baisse de la population. Dans l'inflexion de la courbe du chômage, ou le plafonnement en 2014, il y a plusieurs questions sur l'interprétation de ces chiffres. Un, il y a le doublement des radiations. On est passé de 2000 à 4000, 2000 en 2013 à 4000 en 2014, pour des raisons que le directeur de Pôle emploi n'a pas pu justifier la semaine dernière dans sa conférence de presse. Et puis deuxièmement, il y a également la recrudescence des expatriations de jeunes de moins de 25 ans. Donc on voit bien d'ailleurs que le nombre de demandeurs d'emploi diminue, de moins de 25 ans, mais il ne diminue pas parce qu'il y a des créations d'emplois, le nombre de créations en face. Voilà. Oui, non, juste très rapidement, ça sera pas long. On parle beaucoup donc finalement du pouvoir d'achat comme étant un des moteurs qui permettrait de relancer le système. Que pensez-vous de la discussion régulière la suppression donc des 40% que les fonctionnaires donc touchent ici, et quelle serait donc selon vous l'incidence dans ce schéma que vous décrivez de cette suppression? Je vais répondre très rapidement à votre question, puis ensuite à celle de M. Branchy. J'ai été l'invité il y a quelques semaines sur le plateau de 7 ans d'outre-mer de RFO sur ce sujet-là. Selon moi, et je tiendrai devant vous ce matin exactement le même discours que j'ai tenu à cette occasion-là, c'est la plus grande catastrophe qui puisse nous arriver. C'est la plus grande catastrophe. Parce que, concrètement, on aurait d'un seul coup une perte de pouvoir d'achat. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Certains nous disent, mais voilà, les prix sont trop élevés. Donc, si les entreprises n'ont pas les clients, parce que le coefficient d'indexation aura baissé, eh bien, ils baisseront leurs prix. Moi, je veux bien. Mais si ça ne se réalise pas, moi, j'ai conclu mon interview en disant, moi, je ne veux pas, en tous les cas, une partie de mon travail consiste aussi à faire des conseils de politique économique, jamais j'irai conseiller ça. Ne jouons pas aux apprentis sorciers. On n'a aucun outil qui nous permette de dire, enfin, je ne sais pas si mon collègue de l'INSEE partage mon point de vue, il est peut-être radical, on n'a aucun outil fiable qui nous permette de dire aujourd'hui, si on désindexe,
ça nous... Alors, ça ne serait pas de 40 à 0, hein. Ça serait de 40 à, aux alentours des 17, hein, bon, entre 15 et 20, donc mais une moitié quand même. Si on désindexe, les prix vont baisser. Et si ça ne baisse pas, si ça, ça peut être une véritable catastrophe. Là, c'est un tsunami. Bon, alors, d'un autre côté, quand on réfléchit sur le plus long terme, c'est une vraie question aussi. C'est une vraie question parce que si je me mets maintenant dans la peau d'un décideur public qui veut satisfaire la population en disant je vais apporter à la population plus de services publics. Souvent les services publics ça passe par des hommes, mais le coût du service public est majoré. Donc le nombre d'hommes que je peux mettre au service du public pour, ça peut être des infirmières, ça peut être des assistants sociaux, ça peut être tout le personnel de la fonction publique, à chaque fois que j'en recrute un comme dirigeant d'une collectivité locale, bah, ça, il me coûte 40% plus cher, que donc je suis obligé aussi de prélever plus d'impôts. Donc il y a un vrai débat, mais par contre, tant qu'on n'est pas outillé, je crois qu'il faut surtout éviter de dire, voilà, baissons l'indexation et les prix vont baisser et le pouvoir d'achat va augmenter. J'ai vu une simulation sortant du cabinet Lurel, enfin donc il y a maintenant quelques mois, qui nous disait cette chose-là. Elle était complètement fausse. Honnêtement, elle était fausse. Et voilà. Ah oui, alors justement, la liaison entre investissement et taux de marge, c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. Parce qu'en fait, nous connaissons assez mal les marges. L'INSEE publie effectivement des comptes du territoire et on a la chance ici d'avoir une comptabilité, je dirais, régionale extrêmement développée. C'est un outil absolument fabuleux qu'on a ici que outre-mer. Hein. On n'a pas la même chose en Champagne-Ardenne. Hein. On ne pourrait pas tenir la même conférence dans le Languedoc-Roussillon ou dans les Ardennes. Donc on a un appareil statistique absolument remarquable. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien les revenus. C'est-à-dire qu'on a des tableaux statistiques qui ne sont pas renseignés. Je pense par exemple au tableau qui nous permettrait de suivre très précisément la distribution de la valeur ajoutée entre profit et salaire et ensuite les répartitions. Parce que c'est comme au poker, on joue rarement servi-donné. Il y a une deuxième donne, celle de l'État, qui prélève sur les uns, qui redistribue sur les autres. On ne connaît pas. Par contre, moi, je pense, et je terminerai là-dessus, je pense qu'il y a un lien entre le taux de marge et les investissements, mais c'est un lien qui est plutôt projeté dans le futur. J'investis aujourd'hui pour avoir la rentabilité demain. Et si, par contre, je me trompe, là, j'ai mal fait mon boulot de chef d'entreprise, et je peux, et c'est arrivé, malheureusement, et ça arrive tous les jours en Martinique, je peux aller jusqu'à faire disparaître mon entreprise. Parce que je n'ai pas suffisamment de rentabilité. Oui. Petite question, juste une petite dernière. Oui, je suis trop long dans les réponses, excusez-moi. Juste une petite dernière. Donc ce que je comprends, en tout cas, des données sur 2014-2015, c'est que la dépense publique a finalement eu un effet un peu contracyclique, que ce soit par l'augmentation des salaires et par l'augmentation des emplois. Sur le long terme, est-ce que ça ne crée pas quand même beaucoup d'inquiétudes, puisque à partir du moment où on a plus de salaires et plus d'emplois, on diminue l'épargne brute des collectivités locales, puisque c'est principalement les collectivités locales, mais également de la région, du département. Donc on diminue ses capacités d'emprunt, on diminue ses capacités d'investissement, donc on bloque totalement la machine dynamique basée sur l'investissement et la prestation de services publics avec ce système-là. Ça va également avoir un impact sur les impôts locaux. Et donc, ça va diminuer également la consommation des ménages. Et que donc, ce système-là, est-ce qu'il n'y a pas un peu énormément de perversité à baser un maintien de la croissance par l'augmentation de la dépense publique ? Je te remercie, Hervé, vraiment de la question qui m'amène à la transition, parce que c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Oui, les marges de manœuvre sont très limitées. Oui, je suis d'accord. Vraiment, c'est la question qui amène la transition sur un plateau. Merci. On ne s'était pas entendu, hein, je vous assure. Mais regardons un petit peu, justement. Quel pourrait être l'action des pouvoirs publics pour faire repartir la machine, hein, pour quitter cette zone des 1% pour être un peu plus haut. Alors, on se doute bien que les pouvoirs publics, à eux seuls, n'arriveront pas à nous faire passer de 1 à 3, mais ils pourraient y contribuer. Ben, on va regarder, et je vous donne tout de suite la synthèse, pour avoir vraiment les... Oui, mais on peut rêver. Les pouvoirs publics n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre financière, Hervé l'indiquait il y a un instant, pour effectivement jouer ce rôle de starter, hein, de la reprise. Regardons un petit peu la dépense publique. Alors, c'est un sujet qui est complexe, et malheureusement...
Il va falloir l'aborder. Vous évoquiez, il y a une question sur est-ce qu'il y a les communes dedans. Il faut commencer par faire des comptes. Alors rassurez-vous, on ne va pas faire de la comptabilité publique, mais rien de plus compliqué. Moi, parce que étant macroéconomiste, je connais à peu près la comptabilité qu'on appelle nationale ou régionale, mais la comptabilité publique, c'est quelque chose, c'est un objet pour les économistes qui est un peu non identifié. C'est-à-dire que voilà, il faut y passer des heures et des heures de façon à faire le lien entre une comptabilité qui est souvent une comptabilité d'épicier, passez-moi l'expression, hein, et puis une comptabilité qui nous permet de parler de la macroéconomie. On va faire très rapidement ces comptes. De qui allons-nous parler ce matin ? Pas de toutes les collectivités, on ne peut pas parce qu'on n'a pas toutes les sources d'information. On va parler de l'État, bien évidemment. Et on va parler des collectivités locales, à savoir la région et le département, et demain, hein, ils seront réunis dans cette même bulle au niveau de la collectivité unique. Les grands absents sur lesquels il faudrait continuer à travailler, les communes, les intercos, l'Europe, une centaine de millions à budgéter dans les 80 millions par an à peu près, non ? Fédère, voilà. Alors, moi j'ai vu dans le PO, on est légèrement supérieur, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Mais c'est de la programmation et c'est sur 7 ans, hein, je crois. Hein, voilà. Et puis les administrations de sécurité sociale, c'est important, elles ont une dépense qui est une dépense notamment de prestations, mais on n'en tient pas compte parce que, mais là, vous m'accorderez sur ce, vous serez d'accord avec moi, j'imagine, sur ce thème-là, on ne fait pas repartir une machine économique avec des prestations de sécurité sociale. Hein. Voilà. Donc, on les a volontairement exclus. Alors, première approche, c'est une approche par les budgets. Et ça, c'est relativement simple. Je dis bien relativement parce que pour se procurer les budgets des collectivités locales, c'est parfois assez compliqué. Tout le monde ne joue pas la transparence. Hein. L'État, son budget sur le territoire, en 2015, en loi de finances initiale, le budget État français sur le territoire martiniquais, 2,1 milliards. Là, j'étais un peu vite, excusez-moi. Il faut que je revienne. Voilà. Non. 2,1 milliards. Les deux budgets confondus, région plus conseil général, 1,1 milliard. Et dedans, si on allait à la pince à épiler, on verrait qu'il y a aussi une partie de transfert de ces collectivités publiques au profit des communes, mais pas tout. Donc elles ne sont pas totalement absentes, mais pour faire la part des choses, c'est l'enfer. Alors on pourrait dire, bah voilà, les collectivités publiques, avec le périmètre que je viens de signaler, c'est État plus région et département, ça pèse 3 milliards d'eux, ça pèse le tiers du PIB. Hein, notre PIB fait 9 milliards, hein, ici en Martinique. Ben, cette approche par les budgets, elle a le mérite d'être simple, parce que ça, on peut avoir vite les masses, mais il y a un petit biais. Vous savez, le diable, il se cache toujours dans les détails. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais voilà le biais. Quand on regarde les dépenses de l'État, il faut séparer deux grandes parties. Il y a ce que l'État dépense sous son nom, directement, en son nom, excusez-moi, directement dans notre économie, c'est 1,6 milliard. Mais il y a une autre partie, qu'évoquait d'ailleurs le secrétaire d'État Ecker ce matin, quand il était interviewé sur RCI, il y a une autre partie, c'est les dotations, ce que nous on appelle les transferts de l'État, la DGF, dotation globale de fonctionnement, et puis diverses dotations. C'est-à-dire que l'État a transféré de ses compétences historiques au profit des collectivités locales et amène un financement qui n'a jamais suivi effectivement l'augmentation de la dépense, ça on le sait, mais il continue quand même à verser des dotations. Dotation budgétée 2015, 500 millions. En ce qui concerne, En ce qui concerne les budgets des deux collectivités, eux, ils sont intégralement dépensés. Donc, la dépense des collectivités locales, c'est 1,1. Vous voyez que de cette notion de budget, on va passer à la notion de dépense publique. C'est plus que 2,7. Pourquoi c'est plus que 2,7 ? Parce que la dépense de l'État et la recette des collectivités locales, il ne faut pas compter deux fois la même chose. Il faut bien la retirer. Donc, on a des dépenses de 2,7. Et où vont-elles, ces dépenses ? Eh bien, elles rentrent dans notre économie. Ça, c'est clair. C'est elles qui vont booster, mais il va falloir continuer malheureusement un petit peu à faire les comptes, elles vont booster l'économie, elles vont participer à la création de richesses. De 7, on va arrondir à 3, hein, on n'est pas à quelques millions près, 3 sur 9, c'est le tiers. D'accord ? On va dire, bah voilà, un acteur, ce sont des acteurs qui sont importants. Hein, ils participent à peu près au tiers de la création de richesses sur l'économie. Ben non, pas tout à fait. Et rassurez-vous, c'est le dernier détail. Hein. Pas tout à fait, parce que ces mêmes acteurs prélèvent sur l'économie. Et donc, d'un côté, ils dépensent, mais de l'autre côté, dans l'autre poche, ils récupèrent sous forme d'impôts. L'État récupère sur le territoire 600 millions, impôts d'État, exemple TVA. Les collectivités locales récupèrent 500 millions, exemple octroi de mer,
taxes foncières, taxes d'habitation et autres diverses taxes. Ben, il faut faire les comptes jusqu'au bout. Parce que ce qui intéresse un macroéconomiste dans l'induction de croissance, c'est le net. Et c'est comment ce net évolue. Donc pour l'instant, on a la photo. On va regarder le film dans un instant, mais pour l'instant, on a la photo. Donc vous voyez que ce n'est pas 3 milliards 2 déjà. C'est plus que 2,7. Et ces 2,7, il faut retrancher tout ce qu'on a repris. C'est 1,1. Ben, en net, on n'a plus que 1,6. C'est-à-dire 2 fois moins que le budget. Et ça, c'est une proportion qu'on peut retenir facilement. C'est ça qui intéresse les économistes, c'est le net. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, qu'on va travailler là, encore pendant quelques minutes. Et ce net, il est la plus grosse partie du net, c'est du côté de l'État, 1,5 milliard qui va être financé, c'est la solidarité nationale, c'est vraiment tout à fait évident, financé par les impôts métropolitains et d'autres sources de financement au niveau national. Et puis le net, financé par des emprunts au niveau des collectivités locales, est beaucoup plus faible, hein, puisqu'elle donc, il n'est que de 0,1. On va y revenir dans un instant. Voilà. Donc, si je reste une seconde sur la synthèse, faisons les comptes. Net, injection nette, donc net des impôts, 1,6 milliard. À rapporter à 9. Hein. Vous voyez, c'est plus faible que, bien sûr, les 2,7. Maintenant, regardons un petit peu le film. Comment ça évolue, ça? Alors, là, on va repasser au budget, l'ensemble des budgets. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est donc... Ici, c'est l'ensemble des budgets de l'État plus du département plus de la région, orienté globalement à la baisse. Et on se doute bien que la baisse, elle vient pas de la région ou elle vient pas du département, elle vient bien de l'État. Et puis, avec un rebond sur lequel on pourra aussi se questionner ou s'interroger pour 2015. Mais ce qui est important de voir, c'est que le supplément de budget pour 2015, n'est que de 16 millions. Certes, rien. Et regardons un petit peu dans les détails. D'où viennent ces 16 millions? L'État, c'est moins 20 millions. L'État, la dépense de l'État sur le territoire diminuera de 20 millions. J'ai tendance à croire, mais je peux me tromper, j'ai tendance à croire que les difficultés budgétaires de la nation, elles sont connues de tous, hein, et on peut vraiment en parler. J'ai tendance à croire que le recul sera supérieur, que les remontées de crédit, les annulations d'engagement, que voilà. Alors le risque d'ici la fin de l'année, c'est que l'État se désengage un peu plus que 20 millions d'euros. Mais bon, je ne suis pas devin. Hein. On regarde en loi de finances rectificative où on en est durant l'été. La région, elle, va dépenser plus 16 millions. Le département, plus 20 millions. Par rapport à son budget 2014. Donc l'ensemble des collectivités locales, elles vont voir croître leur budget de 3,3%, celui de l'État va reculer de 1%, et au total, on aura guère, compte tenu des moins 20 de l'État, on n'aura guère que plus 16 d'induction en 2015. 16, ça représente pas grand-chose, ça représente que 0,2% du PIB. C'est pas nul. Mais c'est pas loin. 0,2 d'augmentation. Alors, précisons de quoi s'agit-il hein, ici. Ce n'est pas des prévisions Caravelle, c'est simplement les budgets primitifs région plus département et projet de loi de finances initiale, DPT pour l'État. Donc on a vu plus 16. On va regarder un petit peu. Ça, c'est la photo 2015. On va regarder un petit peu la loupe. Enfin, la chumelle, excusez-moi. On disait tout à l'heure, le budget de l'État va reculer. Il recule depuis plusieurs années, depuis, non pas 2012 d'ailleurs, mais 2011. Donc on s'inscrit bien dans un recul maintenant qui est devenu historique. Et voilà, je voulais absolument vous montrer ce slide-là. Parce que c'est cette image-là qui fait le raccord avec ce qu'on a vu en termes de moteur de croissance tout à l'heure. On va approcher le budget de l'État, c'est une approximation. Mais c'est une approximation comptable qui a du sens, hein. C'est pas une vue de l'esprit. On va approcher les budgets de l'État sur la Martinique à travers quelque chose que les économistes peuvent calculer, c'est la masse des transferts extérieurs apportés à l'économie. D'accord ? Et là, on peut regarder l'histoire très très longue depuis 20 ans. Et qu'est-ce qu'on va constater ? Donc ça, cette courbe bleue, là, c'est la quasi-totalité du budget.
budget de l'État. Il y a des petits chouïas en plus ou en moins, mais le plus gros de la courbe, c'est l'État. 99%, c'est les dépenses de l'État sur le territoire. Regardez cette dynamique-là. Jusqu'en 2011, une croissance régulière des dépenses de l'État sur la Martinique. Et une croissance, je ne vais pas vous donner les détails chiffrés, qui est toujours plus rapide que le PIB. C'est-à-dire que là, on a un État qui, effectivement, dope en permanence la croissance de l'économie. Et c'est un des moteurs de la croissance. Ce n'est pas le seul. On a vu, il y a l'investissement des entreprises. On a vu, ça a entraîné aussi la consommation des ménages. Mais là, on a eu, pendant de très nombreuses années, depuis 1993, vous voyez, c'est, la tendance, elle est sur le pointillé rouge, comme ça. Hein. C'est une tendance un peu à main levée, d'ailleurs. Tous les ans, l'État dépense plus. C'est le mécanisme d'égalité sociale, c'est la défiscalisation qui fait partie des dépenses de l'État, puisque c'est une dépense fiscale qui est bien évidemment dans la courbe rouge, dans la tendance. Donc, effectivement, là, on a un moteur extérieur très important, c'est l'État. D'accord ? Et il contribue à la croissance, à ces fameux 3% de croissance dont on parlait. Voilà. Là, on a un acteur majeur dans cette contribution. On a les entreprises qui suivent, qui investissent, et donc ça part, et la mayonnaise prend bien. Et puis, révision générale des politiques publiques. Problème de la dette et des critères, donc et du respect des critères de Maastricht et ensuite du traité, on est obligé d'arrêter. On est obligé d'arrêter, mais ce n'est pas en Martinique, c'est sur l'ensemble. Coup de frein, réduction des budgets de personnel en premier lieu, réduction des interventions, transfert de compétences non suivi des transferts financiers. On connaît la musique, on la pratique pour les uns depuis trop nombreuses années pour savoir comment un État peut effectivement réduire sa dépense. Et pour nous, ça se traduit comment ? Vous voyez ? C'est celle-là. Hein ? Elle est là. C'est-à-dire que là, on a un État qui... Vous savez, quand l'avion s'est posé, on met la poussée inverse pour freiner. Et lui, il ne cherche pas à freiner l'économie martiniquaise, c'est clair. Mais par sa dépense, c'est bien ce qu'il... On est en rétro-poussée. Rétro-poussée, moins 20 millions cette année de rétro-poussée pour l'économie martiniquaise. Alors, le budget de la région, on a dit il va augmenter donc de 16 millions cette année. Le budget de la région, sur longue période, c'est un budget qui est tout à fait particulier. Longue période, enfin, on va prendre depuis 2008. Vous voyez, on a là un budget très, très d'ailleurs, pro-cyclique qui va amplifier la crise un petit peu en 2009. Puis d'un seul coup, on a une rupture. Voilà. D'un seul coup, on a un budget de la région qui augmente d'une manière considérable. Hein. Vous voyez, on passe d'un budget de l'ordre de 280 millions. En 2010, on passe à... en 2013, on est à 410. Là, on a un effet de marche considérable. Là, on a un acteur, la région, qui participe à la croissance économique, incontestablement. Mais maintenant, quand on se recule un petit peu, c'est la courbe pointillée. Vous voyez que quand on enlève l'effet de marche, qu'est-ce qui se passe ? Les budgets sont à peu près stables. Un budget qui est à peu près stable, c'est-à-dire qu'en fait, il ne croît pas tellement. Et de mémoire, il doit croître de 16 millions d'euros l'année prochaine, enfin cette année par rapport à l'année passée. La participation de 16 millions à la croissance d'un PIB de 9 milliards, ça se voit dans l'épaisseur du trait. C'est-à-dire que la contribution de la région, et on va essayer de comprendre pourquoi aussi dans un instant, est faible, avec un budget qui n'augmente quasiment plus. Alors, je sais bien qu'on fait miroiter les 4% de cette année, mais comme il y a eu moins 4% il y a deux ans, grosso modo, on se retrouve au même niveau. Hein. Le département, lui, c'est différent. Le département, vous voyez, lui, c'est un budget qui va croissant, mais pour d'autres raisons. C'est sous la pression, en fait, de la demande sociale et sous la pression de la dépense. Alors, c'est quand on réunit ces trois budgets que l'on arrive au slide que je voulais vous montrer... il y a un instant, donc on va revoir ça très rapidement. Voilà, on revient là, et donc on a vu ici. Donc un faible effet, on revient à nos fameux 16 millions, donc là c'est la tendance des trois acteurs, État, région, département, avec le petit rebond sur 2015. Et on va conclure, pour rester tout à fait dans les temps, pour se dire, mais est-ce qu'on pourrait faire plus ? Est-ce qu'on pourrait finalement relancer l'économie martiniquaise à partir d'une augmentation de la dépense? Est-ce que l'État est plutôt le pied sur le frein? Est-ce qu'on pourrait se substituer avec les collectivités locales à cette rétro-poussée de l'État et au lieu de mettre moins 20, de mettre plus, de façon à faire repartir la machine? La réponse est très mitigée et on va le voir maintenant. Là, il ne s'agit pas d'une projection, il s'agit d'un budget 2015 consolidé, vraiment en allant à l'essentiel. Et je raisonne uniquement en delta, c'est en variation, c'est en supplément.
Parce que la croissance, c'est un supplément de richesse. Et ce supplément de richesse, il est expliqué par des suppléments de dépenses, notamment des collectivités locales. Les dépenses supplémentaires de la région plus du département, 36 millions. Entre le budget primitif 2014 et le budget primitif 2015. Les collectivités locales peuvent s'attendre à avoir, et d'ailleurs elles l'ont inscrit en budget primitif, hein, il faut que le budget soit équilibré, 16 millions de plus de recettes fiscales prélevées sur les Martiniquais. Et elles peuvent s'attendre à 20 millions de transferts supplémentaires, provenant notamment de l'État, mais aussi d'autres, je pensais notamment à l'Europe, hein, ou d'autres sources. Qu'est-ce que ça nous donne comme net pour l'économie ? On revient sur cette notion, hein, mais là, on est en variation. Je vais dépenser 36, mais je vais collecter plus 16. Je vais injecter en net dans l'économie que 20 millions. Ce que c'est-à-dire que 0,2% du PIB. Ça, ce sont les chiffres budget primitif. Maintenant, par rapport à ça, on va construire des scénarios. Et si on avait des collectivités locales plus volontaristes, qui se disent, on a un rôle à jouer pour la relance. D'accord ? Ok, mais regardons, est-ce que c'est possible ? Quelles sont les marges de manœuvre ? Parce qu'on peut en parler, mais après, il faut regarder les chiffres, hein, ils sont cruels. On va construire ensemble, très rapidement, un budget très volontariste. En se disant, voilà, nous, collectivités locales, et j'englobe les deux, hein, bien évidemment, régions et départements, on va relancer la machine. D'accord ? Et on va dépenser, non pas plus 36, mais on va dépenser plus 100 millions dans l'économie martiniquaise. Ok ? Mais, on a fait un peu de macroéconomie. On sait qu'il faudrait ne pas collecter plus pour qu'il y ait vraiment le maximum d'effets d'induction. Donc on va laisser les impôts tels qu'on les a votés. On va pas prélever plus. On va avoir que 16 millions de recettes supplémentaires. Et puis, non seulement on a fait de la macroéconomie, mais on a fait de la politique aussi un petit peu. Et on se doute bien que même si on a une forte présence, on n'arrivera pas à avoir plus de dotations de la part de l'État. Donc on n'aura pas plus de transferts que dans le scénario, enfin que dans le budget 2015. Donc, vous voyez, les transferts restent aussi à 20. Moi, comptable public, je me dis, là, j'ai un souci, hein, parce que si je veux dépenser plus et que j'ai plus 100 et que j'ai que plus 36 de recettes, il me manque quelque chose, hein, il me manque des cartouches. Oui, on va les trouver, les cartouches, forcément. La seule solution, c'est les trouver par l'emprunt. Il faut donc boucler le budget, ici, à hauteur de 64, hein, c'est vraiment, vous voyez, très, très simple. On va boucler le budget à hauteur de 64 et on va regarder donc maintenant le net, donc ici pour l'économie. 84, pourquoi ? Comment les obtenir ? On dépense plus 100, mais on ne prélève que plus 16, au prix bien sûr d'un emprunt, mais globalement on a injecté en net 84 dans l'économie. Alors là on commence à être dans l'ordre de grandeur macroéconomique, parce que 84 ça représente quoi ? Ça représente presque un point de PIB. 0,9% si on veut être très précis. Là, on est déjà dans l'effet de levier, parce que vous voyez, notre croissance, elle est de 1%. On avait vu qu'elle était historiquement de 3, on se disait, comment le retrouver, le 3 ? Ben, on peut retrouver un point, donc ça ferait 1% de croissance tendancielle, et puis on retrouve un point, ça fait déjà donc 2 points de croissance. Ah, ben, on a fait la moitié du chemin entre le 1 et le 3, avec ce scénario-là. Je ne sais pas si vous voyez, hein, 3, ça serait notre objectif. On retourne sur les vieux rythmes de croissance, hein, historiques, les belles glorieuses martiniquaises. Partant de 1, on en trouve un point ici. Oui, sauf que, bah, je ne vais pas jouer les Cassandres, hein, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas ou ça ne marchera pas beaucoup, pas très longtemps, plus exactement. Est-ce que c'est possible de s'endetter plus ? Oui et non. Oui et non. Deux indicateurs. Le premier est moins pertinent que le deuxième que je vais vous montrer, mais le premier mérite quand même d'être montré. On va regarder ici la dette par habitant contractée par le département et par la région en Martinique, et on va faire des comparaisons avec les autres départements et les autres régions d'outre-mer, excusez-moi, et nos consoeurs ou confrères départementaux au niveau national. Dette par habitant du département, 740. Je ne vais pas vous commenter tous les chiffres. Vous voyez qu'on a percuté largement les normes, à la fois de celles de l'outre-mer, où on est à 500, et de l'ensemble des autres départements français, où on est un tout petit peu moins de 500, 480. On peut en rajouter, mais l'addition est déjà lourde. Sur la région, on est aussi avec une dette par tête qui est importante, de l'ordre de 400 euros, 420 si on veut être précis. Mais l'écart quand même, avec la métropole, c'est pas neutre, hein, mais vous voyez, l'écart entre 420 et 310 est plus faible qu'entre 740 et 480. Et on sent bien qu'intuitivement, il y a une petite marge de manœuvre de ce côté-là.
Et la marge de manœuvre, on va la regarder avec un autre ratio, un peu plus compliqué, qui est un ratio de bonne gestion publique, qui est un des ratios d'ailleurs suivis par la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, et un ratio suivi aussi de très très près, j'imagine, par mes collègues de l'AFD. Alors, il y en a 8, je n'en tire qu'un seul, hein, bien évidemment. Parmi ces 8, j'en ai pris un, mais qui est, pour un économiste, vraiment significatif, qui est un ratio aussi qu'on établit au niveau de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, c'est le ratio de dette, donc vous voyez, tout ce que je dois sur les recettes de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement, c'est quoi? C'est les impôts que moi, collectivité locale, je vais prélever, plus les dotations que je vais recevoir, et les subventions, dotations de l'État et les subventions ou les transferts européens. Non, enfin, en fonctionnement, non, il n'y en a pas. C'est essentiellement recettes fiscales plus DGF, enfin, dotation de fonctionnement. Alors là, ça se passe vraiment de commentaires. On voit qu'on est au taquet au niveau du département. On est au taquet, c'est-à-dire que la dette sur les recettes fait 48%. Et si je dis que le taquet, c'est la norme nationale, on est à 49%. C'est-à-dire donc la capacité d'emprunt du département est quasiment nulle. La contrainte financière sur l'institution départementale est trop forte. Vous vous souvenez, on a besoin d'emprunter pour pouvoir avoir un budget de relance. Ben, l'emprunt, il ne viendra pas du département, parce que la contrainte est trop forte. D'où peut-il provenir? De la région, incontestablement. Parce qu'historiquement, on le sait tous, la région a eu une politique très prudente en matière d'endettement. Elle était même avec un endettement nul pendant de très nombreuses années. Puis les choses ont changé avec le changement de majorité. Mais ça n'en meurt pas moi que la région a aujourd'hui une capacité d'endettement. Et j'ai fait une petite simulation, ça vaut ce que ça vaut. Mais actuellement, vous voyez, la dette sur les recettes, la dette absorbe 67% des recettes. D'accord ? On est, pour les autres régions métropolitaines, on est en moyenne nationale à 90%. Et je me dis, ben voilà, la marge de manœuvre, si je dis que le taquet, c'est la moyenne nationale, je peux encore emprunter pour passer de 67% à 90%. Et je fais un petit calcul, je vous passe les détails. Le résultat est directement à l'extrême droite du schéma, enfin du tableau. Je peux emprunter encore une soixantaine de millions. 60 millions, et ça me permettrait d'être à peu près dans le ratio métropolitain. À votre avis, 60 millions, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup. Pour mémoire, en 2014-2015, la région a emprunté 37 millions. Ça veut dire 37, allez, mais il faut arrondir en macroéconomie, il faut avoir des ordres de grandeur. Ça veut dire quoi? On a un degré de liberté de 2 ans. 2, 3 ans, une fois, mais ça n'ira pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus loin. Après on est contraint. Après, on ne peut plus. Alors, bien sûr, on peut dire... On peut dépasser le taquet métropolitain. Mais après, on a d'autres soucis aussi, sur lesquels on pourra revenir dans nos jeux de questions-réponses. Alors, si on ne peut pas faire un budget volontariste, parce que, il faut avoir ça en mémoire, là, on pèserait un point de PIB en plus, ça serait vraiment bien. Mais d'un autre côté, les capacités d'emprunt ne sont pas élastiques. On pourra faire ça une fois, deux fois, mais ce n'est pas une politique de moyen terme, ça. Hein. Alors, regardons maintenant un budget orthodoxe. Mais un budget à la fois orthodoxe, mais volontariste. Je m'explique. Je veux dépenser plus pour relancer la machine. Je veux dépenser 100 de plus. Je sais très bien les contraintes financières au niveau national et je n'escompte pas plus de transferts venant de l'État. Je ne veux pas emprunter plus, considérant que 2 ans de marge de manœuvre, il faut que je les garde en cas de coup dur. Et le coup dur, pour l'instant, quand la croissance est à 1%, ce n'est pas un coup dur. Donc, je ne veux pas emprunter plus. Et je dis à mon comptable public, je dis, résous-moi l'équation. Comment va-t-il la résoudre? Il faut qu'il dépense plus, 100. Il a, en delta de recette, plus 20. Il faut 80. Où va-t-il les trouver? Sur la bête. La bête, c'est nous, hein. Il faut qu'il trouve 80 sur des recettes fiscales supplémentaires. Alors, je sais que l'impôt fait toujours l'objet de très nombreux débats, mais je connais assez peu de pays. Enfin, j'ai eu des cas de... Mais là, vous voyez que vous passez de plus 16 millions de recettes à plus 80, c'est d'un seul coup, vous multipliez par 4 fois de 8, hein, je vais arrondir tout ça, multipliez par 4 les impôts locaux. Politiquement, faut... Je dirais, faut...
hein, faut avoir les épaules pour le faire. Moi, je ne me risquerais pas de donner ce conseil-là à quiconque. Hein, par quatre les impôts, non. C'est... Voilà. Et en plus, ça serait non seulement politiquement, c'est très difficile, mais en plus de ça, économiquement, c'est inefficace. C'est inefficace, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui reste en net pour l'économie ? C'est ça qui est important. Ce n'est pas le montant de la dépense, c'est le net. Si je dépense plus 100 et que je prélève plus 80, il ne me reste que 20. Donc, j'ai multiplié par 4 les impôts. Bien évidemment, j'ai annoncé que je ne ferais qu'un mandat. Hein. Je multiplie par 4 les impôts. Et j'ai quoi comme induction nette dans l'économie ? 20, c'est-à-dire 0,2 points de PIB, c'est exactement pareil qu'au début. Ça ne sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. Sauf si je veux me suicider politiquement, bien évidemment. Mais il y aurait des moyens moins douloureux de le faire. Bilan des opérations. On voit que les marges de manœuvre sont très limitées. Le seul delta qui reste hein, pour du net, c'est-à-dire ne pas prélever par des impôts ce qu'on a donné à l'économie par de la dépense, c'est l'emprunt. La marge de manœuvre sur l'emprunt est très limitée. Ce qui nous fait dire, en ce qui concerne les collectivités locales, dans un contexte de réduction des transferts publics métropolitains, hein, que la capacité des collectivités locales à relancer l'économie est extrêmement, extrêmement faible. Il faut qu'on trouve d'autres solutions. Elles existent, hein, mais il faut les trouver ailleurs que dans les budgets publics locaux. Je ne sais pas si j'ai trop abusé. Je dois être à peu près dans les temps. Mais je crois qu'on... Voilà, on a passé un petit peu en revue, hein, même au pas de charge, et j'en suis désolé, mais il y a d'autres éléments qui figurent dans le petit document. Je crois que vous avez vu, hein, il y a un 4 pages sur la conjoncture, et puis hein, il y a un jeté d'un recto verso qui donne un petit peu plus d'informations sur les budgets publics. Je vous cède la parole. Oui, merci. Merci pour cet exposé, parce qu'effectivement, on partage tout à fait ce genre de choses. Peut-être juste rajouter un petit élément complémentaire, c'est qu'il faut se rappeler quand même que la mobilisation d'emprunt par la collectivité locale ne concerne que la section d'investissement et absolument pas la section de fonctionnement. Et que le sujet qu'on a aujourd'hui, notamment lorsqu'il y a des augmentations d'impôts du fait de nécessité de mobiliser de l'emprunt ou de faire de l'autofinancement pour l'investissement, ça va se traduire par des grosses difficultés, enfin en général dans leur capacité, quoi. Donc faut revenir un peu là-dessus. Le deuxième sujet, c'est important. Il n'est pas concevable qu'une collectivité locale vive uniquement avec son épargne brute. C'est de l'investissement de long terme, c'est de l'investissement d'infrastructure, c'est automatiquement par de l'emprunt. Il n'y a pas d'autre solution que de faire de l'emprunt, en tout cas de financer en partie l'investissement par de l'emprunt. Là, c'est la question, c'est certainement, et c'est ce sur quoi nous on réfléchit pas mal aujourd'hui, c'est, je ne parlerai pas de pertinence, mais de retour fiscal, la capacité de retour fiscal des emprunts et donc des choix sectoriels qui sont faits dans la dépense publique. Il y a des investissements qui ne rapportent rien, mais strictement rien. Et là, c'est de la perte nette, sèche et dramatique. Il y a certainement des investissements qui ont un impact fiscal, donc un retour après très important, et qui permet de... Je vais prendre juste un exemple, hein, puisque récemment, il y a eu les 60 ans de la CIMAR. On sait, par exemple, c'est une de tes études, qu'en 10-15 ans, 66% de l'investissement dans le logement social est récupéré sous forme de retour par l'impôt, par des taxes, par un certain nombre de choses. Et qu'en gros, actuellement en Martinique, en 20 ans, globalement, la dépense publique est intégralement récupérée. Donc ça, c'est intéressant, parce que ça fait des taux de marge sur la dépense publique de à peu près 7 à 8%, alors qu'en général, la rentabilité de l'investissement public est plutôt de 4%. Donc on est sur des sujets extrêmement intéressants. Et donc c'est pour ça que ce petit modèle est passionnant. Hein. Et ça, moi, je serais preneur de, comment dire ça, d'une sophistication de ce petit modèle pour voir un peu sur quel type d'investissement on pourrait aller. Mais juste une réponse très rapide. Le taux de retour moyen, 20%. C'est 16, donc j'ai arrondi à 20, 16%. C'est-à-dire que, là, on jargonne entre économistes, donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand l'État, quand une collectivité, que ce soit l'État ou l'autre, injecte, dépense, elle participe à la croissance,
Elle participe donc à la création de richesse, et c'est sur cette richesse qu'on va prélever des impôts. Donc ça va être du net. Le net, une dépense, il faut toujours retirer ce qu'on va gagner grâce à cette dépense. Et en fait, pour 100 de dépenses, les collectivités récupéreront 16, mécaniquement, par un effet d'assiette. Voilà. Le problème, c'est si elles veulent récupérer plus, elles détruisent à ce moment-là cet effet, et donc elles rétropédalent. J'ai bien entendu que le gouvernement n'est pas d'accord. Mais est-ce que l'institution de la Martinique en zone franche globale pourrait résoudre ces problèmes ? Merci. En fait, je ressors de l'entretien avec le secrétaire d'État au budget, M. Christian Ecker. Je lui ai posé une question du même ordre. Il a d'abord fait semblant de ne pas l'entendre. Puis après, il m'a fait comprendre qu'il ne l'avait pas entendu. Donc je ne suis pas sûr que le problème soit d'actualité. Je pense qu'en revanche, la question de la pérennisation des avantages de la LODEOM, qui passe par en fait un renforcement sectoriel, c'est la question sur laquelle on peut se pencher réalistement. Là, je suis en train de borner le champ du possible. Après, je ne sais pas si ça suffira. Ce que j'observe, c'est qu'on est quand même face à un cruel déficit d'investissement, en réalité, parce qu'on a un retrait de l'investissement privé qui était en surcapacité. On a un moindre engagement de l'État pour les raisons qu'on vient de décrire. Il y a une chose d'ailleurs qui m'a un petit peu surpris, et je vais vous passer la parole là-dessus. Lors d'une précédente conférence, vous aviez fait observer que la région Martinique avait des capacités d'emprunt et donc d'investissement très largement supérieures à celles de la région Guadeloupe. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et là, vous semblez avoir quand même un peu tempéré ce jugement en disant que les capacités d'investissement par emprunt n'étaient pas si larges que ça. Comment vous pouvez commenter ça ? Oui, vous avez tout à fait raison. La région Guadeloupe a moins de capacités financières que la région Martinique. Et c'est l'inverse pour le département. Et par contre, on était beaucoup plus optimistes jusqu'à ce que, effectivement, l'histoire nous rattrape. C'est-à-dire que la région, sur des rythmes de 37 à 40 millions, a très vite épongé. Mais là, c'était, on ne regardait pas à ce moment-là les budgets primitifs, on regardait les comptes administratifs. Et donc, en fait, notre vision s'arrêtait en 2012-2013, au moment où on a commencé. Mais ça a été, vous savez, le problème de la dette, c'est comme le problème du nénuphar dans la mare. Ça, c'est vrai, hein, oui, il double à chaque fois. Et un jour, il est à la moitié de la mare, et le lendemain, il l'a rempli complètement, le nénuphar. Bah, pour la dette, c'est pareil. C'est en fait des phénomènes qui sont exponentiels. Et ça va très vite. Et c'est la raison pour laquelle on a mis dans ce petit schéma, là, simulation, ça fait 2 ans de marge de manœuvre, pas plus. Oui. Je reviens sur la capacité de retour fiscal, qui est une notion, quelquefois, qui est ignorée. Et puis, dans les investissements, il y a aussi, parce qu'il se trouve que je suis récemment élu local, et j'ai découvert avec surprise qu'on ne tient pas compte aussi du coût de fonctionnement des investissements. Bon. Alors, il y a donc... mais je reviens sur la région. Dans nos institutions telles qu'elles fonctionnent, me semble-t-il, la capacité de faire varier la fiscalité de la région ne porte que sur les taux d'octroi de mer. Encore, il est largement obéré par une mécanique européenne. C'est invraisemblable que connaît bien Richard Christon. Bon, si on veut changer un taux, c'est tout un pataquès. Et puis, il y a le FIRT, où il n'y a que 10% qui soit non affecté. Donc, on peut effectivement augmenter éventuellement, mais aucun président, à mon avis, de région ne prendra politiquement le risque d'augmenter l'essence, compte tenu de l'histoire économique récente de la Martinique. Donc, finalement, le retour fiscal dans l'état actuel, il n'y a plus la taxe professionnelle. Hein, donc, le retour fiscal pour le Conseil général a encore un certain nombre d'éléments de sa fiscalité qui est variable en fonction de l'activité économique. Mais le conseil régional, donc la collectivité unique, puisque aura finalement une capacité de retour fiscal relativement faible, me semble-t-il, quels que soient les investissements. C'est ce qui me semble. Je ne sais pas si vous partagez cette analyse, compte tenu du dispositif institutionnel tel qu'il existe.
J'ai écouté l'interview du secrétaire d'État Ricaire ce matin. Il nous donne espoir quand même quelque part, hein, parce que il a dit qu'il n'était pas contre une plus grande autonomie fiscale. Et donc ça veut dire en fait une capacité des collectivités, notamment de la collectivité l'unique, à décider de ses impôts, pas tous bien sûr, mais c'est, vous savez, c'est à... Moi je travaille beaucoup en Nouvelle-Calédonie, où là il y a une autonomie fiscale à 100%. Hein. C'est formidable, mais des fois ça vous empêche de dormir la nuit. Hein. Ça vous empêche de dormir la nuit, parce qu'il vous faut équilibrer votre budget. C'est une tâche qui n'est pas facile. Bon, certes, heureusement, on n'a pas besoin d'équilibrer la balance des paiements parce que grâce à l'Institut d'émission et à la zone franc, la monnaie est garantie, mais le budget, il ne l'est pas. Et je peux vous dire qu'actuellement, sans trahir aucun secret d'État ou de territoire, la situation calédonienne est catastrophique. On est dans une crise de trésorerie, on fait de la cavalerie tous les jours. Et pourtant, on a l'autonomie fiscale. Hein. Donc c'est à la fois très séduisant d'un point de vue intellectuel, c'est aussi un effort de rigueur et un effort de gestion qui est très, très, très important. Ben, je m'excuse d'insister, mais c'est vrai que le secrétaire d'État au budget n'est pas d'accord pour la zone franche, mais s'il semble que ce soit le nouveau cheval de bataille du président de région. Alors, je demande à monsieur le président du conseil de la Chambre de commerce, est-ce que ça pourrait être une solution que la mise en la Martinique en zone franche ? Sur papier, bien sûr, puisque effectivement, c'est quelque chose qui est de nature à baisser nos points morts et nous rapprocher des conditions d'exploitation de nos voisins. Cela dit, il faut faire attention à la façon dont on présentera cette chose. Vous avez observé que quand le président Letchimy l'a évoqué devant le président Hollande, ce dernier n'a pas répondu non plus. Ce n'est pas anodin. Parce que les uns et les autres suspectent bien qu'il y aura un coût fiscal non négligeable. Et il ne faudrait pas qu'en s'avançant à découvert sur ce terrain-là, on nous dise oui en nous retirant quelque chose finalement qui a plus de valeur que cela. Donc il faudra faire très attention à la façon dont on présentera le sujet. En clair, s'il s'agit d'échanger la zone franche contre la défiscalisation, il faudra faire attention au bilan global. Voilà. Donc oui, sur papier, à condition que ce soit une addition et non pas une soustraction nette. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je voudrais tout d'abord vous remercier, Olivier, de l'ensemble de votre intervention. J'espère que cette séance a intéressé nos auditeurs et nos spectateurs, bien sûr. Elles seront au nombre de 2 fois par an. Bon, les conclusions que l'on peut en tirer, c'est que de toute façon, nous ne devons pas nous endormir. Nous sommes face à des évolutions qui sont lourdes. Nous sommes face à un modèle de développement différent, avec une croissance plus faible, qui a déjà fait des dégâts sur les courbes de chômage. Nous sommes face à des contraintes démographiques qui sont ce qu'elles sont. Et nous sommes face à des budgets publics qui sont de plus en plus contraints. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la parole est au secteur privé. Parce que le secteur public ne pourra pas durablement se surendetter pour arriver à relancer la machine. Et ça veut dire que nous sommes plus que jamais tous contraints à être d'abord à l'écoute de ce que disent les entreprises. Et deuxièmement, pour ces dernières, elles doivent être à la recherche de nouveaux secteurs de développement parce qu'il faudra des bouffées d'oxygène. Et donc, il y a des choses que nous intuitons et dont nous n'avons pas encore le produit, mais qui doivent faire notre avenir. C'est vrai que la biodiversité doit représenter quelque chose qui n'est plus qu'un simple discours officiel. C'est vrai que la silver economy, elle aussi, doit représenter quelque chose qui ne soit plus une contrainte, mais soit un bénéfice. C'est vrai qu'en général, les métiers de l'accueil, en ceci compris les touristes comme nous les connaissons, les visiteurs occasionnels, mais également les visiteurs plus durables, et là on parle aussi de la silver economy, doivent représenter un apport additionnel de richesse. Et enfin, très immédiatement, tous les secteurs qui peuvent nous rapporter plus de richesse, je pense au nautisme par exemple, sont des secteurs qu'il faut impérativement encourager parce qu'il faudra bien que nous bouclions notre budget général. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. J'espère que cette séance vous aura intéressé et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous à la fin de l'année puisque c'est en tous les semestres, chaque fin de semestre que nous ferons une séance du même type. Merci encore.